vais mettre. Vous savez ce que je vais faire? Je vais afficher le doc. Le doc de statistiques. Voilà. Le petit doc spécial statistique qui vous donne en fait les informations. Oh la vache, je suis en train de perdre. Ah, je perds des images à fond. Je suis en train de perdre des images, mais genre, à fond la caisse. C'est terrible de perdre autant d'images. Je le vois, hein, je le vois en live, hein, le processeur est en train de mourir. Bon allez, c'est parti, on va quand même essayer. Ça va ramer, vous le savez. Mais on a l'habitude. Avec moi, c'est quasiment devenu une habitude chez WAM. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker. C'est dur sans script. À liker si le contenu vous intéresse. Liker. À follow si le contenu vous intéresse. Et autres. Attendez, je vais réinitialiser parce que c'est vraiment une horreur. Ah ouais, moi, elle m'a mis de genre, mais direct quoi. C'est. Voilà, j'arrive, je meurs. Ah oui, j'en étais là. Et il fallait rejoindre. Ah là là. Ah, faut que je pexe un petit peu. Attendez, je vais essayer de pexer. Attendez, je vais retirer. Ça, je vais pouvoir sentir les touches. Là, je me réhabitue. Je sens les touches. Quelque chose que je ne fais rarement en fait. J'ai mis le manche spécial pour le pouce. Parce que je jouais en fait à la super. Super Nintendo, Super NES. Donc j'ai mis évidemment mon manche pour pouvoir streamer gentiment. Non, pouvoir jouer gentiment et poliment. Le manchon en fait c'est ça, hein. C'est ce truc là, vous mettez sur votre pouce et du coup en fait vous pouvez plus rapidement passer d'une touche à l'autre. En fait votre pouce n'a aucun frottement. En fait votre pouce ne va avoir aucun frottement sur la manette et globalement bah, vous allez pouvoir mieux vous en tirer. Donc vous allez rentrer des inputs plus rapidement en fait. C'est pas illégal, c'est pas considéré comme de la triche. Bah, si vous entraînez, bah voilà quoi. On s'en fout. Attendez, il faut que je me soigne. Faut que je me soigne parce que Jackie va. Jackie est un emmerdeur. Jackie est un casse-couille, un emmerdeur de première. On voit hein, que ça rame du cul. Hein. On le voit bien. Hein. Le ramage. Le plumage, tout ça. Hein, le ramage du bouc est à son maximum. Et je le vois, hein, je suis complètement en rouge de partout. Je suis en rouge partout. Je suis en rouge. Popobot, évidemment, m'informe que le live est lancé. Après je vais retirer je vais retirer évidemment, je vais prendre la récompense et je vais retirer Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Voilà, bonjour. Hop, récupérons la récompense, c'est important. Récompense récupérée. Joie et volupté. Allons-y. On va pexer, c'est important de pexer. J'ai vu un autre live, il arrivait à peu près à ce niveau, il était déjà niveau 21. Je suis niveau 12. Je me sens nul. On va un petit peu pexer pour être un peu moins attaqué lors des combats de boss. Ah ouais, c'est vrai. Pour les Z, c'est autoroute. Franchement, faut quasiment jouer tout le temps, tous les jours, j'ai plus l'habitude. En fait, c'est comme retrouver une vieille amie. Marie Chantal, elle est horrible. C'est l'équivalent de retrouver une très vieille amie à moi. Ah ouais, tout le stream est bon. J'ai un espace de disque qui est totalement à chier. Mon processeur est en train de ramer du cul. J'ai un nombre de FPS qui est en train d'exploser. J'ai un ratio qui. C'est par là. Bon,
Logiquement, je vais pouvoir pexer sur la route. Logiquement, ça devrait être bien. Logiquement, hein, parce que bon... faut savoir que dans ce jeu, rien n'est logique. J'ai cru qu'on me lançait un fight. Faut savoir que quand on vous lance des fights, quand on se met en mode comme ça, en mode JCJ, genre pour aller dans des arènes ou autre, instantanément c'est de la merde. Vous entendez ce petit son en fait. D'accord, je suis bourré. C'est ça que je voulais faire. À demain, on va jouer avec la trompette, ça va être une lourde. Bon, je joue que. Allez, on va dire 45 minutes, 3 quarts d'heure parce que je suis piqué l'œil. Mais regardez-moi! Regardez-moi! Elle est tellement weak, cette petite gourdasse, que je suis mort. Et moi, je suis en train de... J'ai un taux de FPS qui est très 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 bas. Tenez, regardez ce qu'on fait. Alors déjà, on va attendre. Soigne-moi! Soigne-moi, merde! Soigne-moi, fais pas le con! Mais non, fais pas le con! Oh là 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 là! Oh, j'ai clairement plus habitué. Je joue au clavier à la souris. Y a-t-il un moyen de jouer avec la manette? Bonne question. Bonne question qu'on pourra poser. Merde. Non, 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 il y a un moment, faut se respecter, il y a un moment, faut se respecter. Mais quoi? La merde. C'est par là où je me cours encore? D'où je viens, où je vais? Mais c'est toujours pareil, d'où je viens, où je vais, merde. Le jeu a l'air de dire que c'est par là. En fait, je vais affronter mes adversaires. Regardez, je suis niveau 10, je suis niveau 12, ils sont niveau 11 et je me fais littéralement laminer le cul. Si ça c'est pas beau. Le côté obscur, on nous a... Ah, 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 cassons-nous. Ah non, c'est bon. Attendez, je vais refaire ça. Ça c'est bien, c'est efficace. C'est multi-target. Ça... Allez, on refait à nouveau. Voilà ça, hop. C'est de la merde. Mais non, mais sérieux, mais si c'est pas pathétique. Si ça c'est pas pathétique comme personnage. Elle est tellement weak. J'aurais tellement dû faire des quêtes annexes. Je suis dit, ah non, on va faire que l'histoire, c'était un... C'est bien l'histoire après tout, on s'enjaille avec l'histoire. Mon cul. Putain. Chier. Quand ce sera le jour du carême, je vous promets, hein, l'un des vices que je me retirerai, évidemment, pendant 40 jours, ce sera de ne plus dire d'injures. Non, je sais même pas si... Non, je vais pas faire carême. Déjà que j'ai arrêté l'alcool, c'est déjà pas si mal. J'ai pas arrêté l'alcool, j'ai arrêté la bière. Parce que mon cœur a dit, arrête la bière, mec, ça commence à partir en vrille. Allo, Jambunja. Arab Jabunja. Bah Arab Jabunja aussi. Allez, je vais essayer de récupérer. Voilà. Allez. De la méthode. Ah, vous auriez dû être sur le live hier pour Final Fantasy VI. Il y a être pathétique. Il y a être lui. Mais ah oh. Allez, je vais recommencer. Ah! Ah! Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il branle, Jackie? Pourquoi tu fais rien? Tu soignes même pas! Mais tu le soignes pas, tu fais rien, tu fais que dalle, t'en branles pas une, et on va encore crever! On va encore crever, Jackie! Oh, on va crever, on va, voilà. Confirmation du joueur Vietnam au Moldave. Effectivement, on est crevé. Retournons au centre médical. Et essayons de se faire quelques petits niveaux en priant pour être un peu moins pathétique.
Alors, vous avez l'impression que c'est un contenu de qualité, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que voir une sorcière Sith mourir en boucle face à des monstres qui sont 4 fois son niveau au-dessus de lui, c'est vrai que ça fait plaisir. Peut-être que je pourrais buffer quand même quelques boucliers ou ce genre de trucs. Ça me permettrait d'être légèrement moins pathétique, mais bon. Quitte à faire de la merde, faisons-le à fond. Ah mais eux par contre, quoi que eux, ils ont... Voilà. Allez, arrêtez de me casser les burs. Moi qui vous le dis, je vais récupérer ça. Quoi? C'était pas assez? Bon attendez, on va farmer l'île. Un chat de vigne. C'est de la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas... D'accord. Voilà, niveau 13. Donc, elle va être nettement moins pathétique maintenant. C'est complètement vrai. N'oubliez pas à mettre sur le chat vos impressions. Ah! Vous pensez qu'il s'est trompé de vie? C'est sûr qu'il s'est trompé de vie. C'est pour ça qu'on aime bien. J'ai pas fait d'enregistrement, je ne fais rien. Vache, je vais mourir totalement. J'ai plus aucun asset de prêt. Les collections Twitch sont complètement à yesh. Je vais mourir du cul, ça c'est clair. En fait, on va passer une session à pexer en fait. Bon, histoire d'être légèrement moins pathétique. J'ai passé ma session entière à farmer des monstres. Comme ça, pour dire juste d'être un peu moins pathétique que d'habitude. Parce que là... Là, je suis pas pathétique. Je suis pire que ça. Allons à la fosse. La fosse au pion. Pourquoi il y a ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes con à ce point-là, à faire des systèmes d'escalier à la mort moelle-neu? J'en ai marre! J'en ai marre! À un point, on peut pas s'imaginer. Allez! La strat. D'abord de la distance. Voilà. Tiens! J'aimerais bien revoir Zoo Ranger. Vous savez, Zoo Ranger, c'est l'original en fait. Vous avez Power Ranger en fait, et c'est simplement l'adaptation de. Enfin, une réécriture de Zoo Ranger. Donc le Super Sentai avec les bonheurs. Ça. J'ai mal, mais à un moment, mais arrêtez de vous acharner. Et merde, essaye d'être un peu moins pathétique. Alors je sais bien qu'on a décidé de s'appeler de Pathetic Gamer, mais bon, il y a des fois. Ah, j'aurais tellement dû faire les quêtes annexes et autres. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Amèrement, je regrette. Je suis encore en train de le regretter maintenant, en fait. Regardez, eux, ils sont impossibles à battre. Ils vont toujours par 3. Et ils sont quasi impossibles à battre. Et l'autre con là, il soigne pas. Il est fight, mais il est vraiment à chier. C'est-à-dire son mode de fight est vraiment nul en fait. Voilà.
Alors peut-être que je peux update le type qui m'accompagne. Quoique j'ignore complètement son nom. Je vais essayer d'update Bidule. Ça, on va. Déjà, on va s'éloigner un peu de ça. Ah bordel! Ah bordel! Ah bordel! Yacht! Ouais, ça ne voit pas. Alors, I. Et C. Partenaire. Mais il est à poil! Mais il est à poil, ce con! Oh bah évidemment qu'il est pathétique, hein, on peut pas s'imaginer, c'est terrible. Attendez, je vais récupérer les trucs. J'ai des caisses de loot. Niveau d'objet niveau 1. Ouais, je peux plus. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est même plus être pathétique à ce point-là, c'est totalement nul. Alors, est-ce que je peux te donner une arme au moins pour dire d'être légèrement moins nul, un peu moins nul à chier? Non, même pas. Bon. Écoutez. J'ai farmé eux. Niveau 11. Moi, niveau 13. Ils peuvent certes me faire très mal. Mais je pense qu'ils sont les plus rentables en fait. On va reprendre le mode histoire une fois qu'elle sera au moins niveau 14. Ouais. On a assez farmé, on va essayer de fight évidemment. Hop. À l'habitude, il y aurait des gens qui m'accompagnent et tout, qui évidemment parlent moi. On a l'expérience partagée et tout, et ça c'est cool. Mais là, on est. Je sais pas quoi faire. C'est une sorcière en même temps, donc si j'utilisais des sorts, ça genre, hop, ça des sorts. Bah ben voilà, ça c'était bien ça. Ah, peut-être ça qu'il faudrait que je fasse. Utilisons les sorts. Tiens. Voilà. J'ai utilisé des sorts, j'aurais voulu t'aider. Je suis content de moi en fait. Ça a l'air d'être vachement efficace en fait. Ou pas. Ou pas, ou carrément pas. Mais arrête, tu fais mal là. D'abord. Eh, n'empêche que si, en vrai, totalement. Totalement. Totalement efficace, by the way. Non, je vais pas mourir. Tiens. Petit coup. Tiens, encore un coup comme ça là. Hop, voilà. Voilà. J'ai plus de place dans l'inventaire, mais on s'en balèque. Attendez, je vais retirer les trucs. Je peux rien en fait, je peux rien lui donner. Tenez, on va fight celui-là. Voilà, ça va être bien, on va le fight. On va bien s'enjailler. Alors, ce coup-là, il est relativement efficace. Ça fait mal. Ça envoie du pâté. D'accord, donc c'est le numéro 3, envoie du pâté. Et après, c'est lui. Ok. Le numéro 3 envoie du pâté. Merde. Tant pis. Attendez, je vais verrouiller. Voilà, je verrouille comme ça bougera plus. Le numéro 3 envoie le pâté. Ah mais mon cul. Ah c'est lui le numéro 3. Je me
sorcière, donc techniquement, je vais pouvoir rester à distance et envoyer des fions. Recommence. J'envoie des fions. Allez, j'envoie les fions. J'envoie les fions. Ah, et je suis passé à orange. Bonne nouvelle, je suis passé en orange. Et ça, ça... Ah ! Ah ! Ah ! Mais redonnez-moi de la vie ! Mais redonnez-moi de la vie ! Mais redonnez-moi de la vie ! Ah ! Ah ! Ah, mais on va mourir. On va mourir, c'est pas possible. Et Jackie, Jackie qui en branle pas une. Jackie qui est là, qui devrait me soigner, qui devrait me heal. Et qui en a rien à foutre de mon cul. Oh, et merde. Jackie devrait me heal, il devrait me soigner, mais il en a absolument rien à branler de mon huc. Si ça, c'est pas beau. Bon, alors, comment on pourrait pexer rapidement? Rapidement et efficacement. Bon, d'ailleurs, je vais lire le message. C'est bien. J'ai pas de place, donc c'est bien. Ça m'arrange. Trouvons un vendeur. Là-dedans, il doit y avoir de la vente. Là-dedans, c'est pas possible. J'ai forcément trouvé quelqu'un pour vendre quelque chose. Mais ils sont où, les vendeurs? Ils font leur pause? Mais il y avait des vendeurs. Mais ils sont où les vendeurs? Ils sont en train de faire leur pause ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Ils sont où ces saloperies? Eh, vous êtes où, bande de cons? Il n'y a aucun vendeur, d'accord? Au moins, c'est réglé. Voilà, ça règle la question. Les vendeurs, ils sont pas là. Putain, jure. Allons par là. Ah, il y a un vendeur, là, dans le coin, là. Vend. Est-ce que tu vends de la merde, toi? Est-ce que tu fais des trucs? Oh, rien à foutre. Bon séjour. On ira après. Ah oui, évidemment, le marchand, le droïde médical vend... Veillez à respecter la notice des produits. Je te vends tous les objets de ma vie. Je te vends tout ça. Je vais te vendre ça aussi. Je peux? Et ça aussi, je vais te le vendre. Mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ça, je peux te le vendre. Je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas. Bah, on m'a refilé des trucs que je peux vraiment pas vendre, en fait. C'est vraiment de la merde. Ils m'ont refilé tout ce que je peux pas vendre, donc ça je peux pas le vendre, ça je peux pas le vendre. C'est... Ça ne plus. D'accord. Bon, bah barrons-nous. Hein. Portez-vous bien. Et si on allait pexer un peu? Alors pour aller pexer, j'ai peut-être un plan. C'est qu'on va aller. Genre là, par exemple. Dans une zone. On va aller dans une zone au pif. Où il y a énormément d'ennemis. Et on va essayer de farmer l'ennemi le plus puissant. En filoutant à fond, on devrait pouvoir y arriver. J'ai les yeux qui brûlent. C'est pour ça que je devais jouer en fait qu'une petite demi-heure ou 45 minutes. Parce que j'ai les yeux qui sont complètement, complètement défoncés en fait. Je raconte ma vie, mais en vrai, tout le monde s'en fout. J'espère qu'il y a des ennemis assez puissants ici. On va pexer un peu. Voilà. Et on va évidemment... En fait, je sais pas si on est obligé de le faire ou pas. C'est-à-dire de faire un... Hop. D'activer ce point de rendez-vous. Je suis pas sûr que ce soit utile. Je pense qu'il doit s'active tout seul en fait. Bon, allons-y.
découvre des nouveaux lieux, des lieux sauvages. Ça, c'est quel niveau? Niveau 10! Oh, bon. Ah, c'est pas le mien. Il est où, les parties de l'heure? Il s'y prend. Je demande bien ce que fait une carte de l'heure. Là, c'est assez efficace. Là, il est derrière, il est en train de fight. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faudrait un truc qui soit genre niveau 13, 14, tu vois. Là, là c'est des niveaux 10, c'est des petits niveaux de merde. Je crois que j'ai peut-être pas choisi la bonne zone en fait. Ça c'est quoi ça? Niveau 11? Bon allez. Ça on voit. Faudrait que j'arrête de me mettre comme ça en mode... Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Quoi. Je suis trop proche en fait. C'est moyen. Ils sont faibles en fait. J'ai pas choisi la bonne zone. Faudrait que je trouve une zone avec des niveaux un peu plus élevés que ça. Trois. Moyen. Là. Allez, allez, mais il fait quoi, Popol? Il fait quoi, Jackie, lui? Tiens! Je suis pas censé me prendre des coups. T'es censé être derrière moi et me soigner, me heal ou je sais pas quoi. Et ce con-là, il en branle pas une. Je peux prendre ça? Non? Et ça, je peux? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fous? Vas-y, c'est quoi? Bonjour. Vous aimez hein, cette musique, cette petite ambiance, ça donne envie. Hein. Où on va? Bon, c'est pas par là qu'il faut aller, mais où on va? Marchand de Steam. Que puis-je faire pour vous ? Je veux que je vais te vendre des objets gris. Voilà. Et j'en profiter en fait, je vais agrandir mon inventaire. Voilà, pour être sûr. Revenez à l'occasion. Je vais revenir, ouais. Je vais revenir dans 10 ans. Même jour, même heure, même porte. Niveau 10. Oh, allez. Où l'on est. Et arrête. Me fais pas de mal. Me fais pas de mal. Me fais pas de mal. J'ai mal aux yeux. Voilà pourquoi je devais pas... En fait, je ne dois streamer que 3 quarts d'heure ou 1 heure, pas plus. À cause de mes yeux. Parce que j'ai un œil qui. J'ai l'œil gauche qui est en train de partir en couille en fait. Mais genre vraiment en train de partir en couille, hein, littéralement. Et eh ben c'est par là. C'est carrément par là. Et ben voilà. GG. GG. Bravo. Nous avons découvert un. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Un nouveau visage sur Dromunkas. Intéressant. Ta gueule. Alors. Continuons notre mode histoire. Apparemment, c'est par là que qu'est la vérité. Alors, je vais prendre une quête annexe. Pexer un peu et dire d'être un peu moins pathétique. Parce qu'honnêtement, je suis fou de pathétique. Sept meurtres brutaux et sanguinaires.
7 Et l'assassin se promène en liberté. Et alors ? Des citoyens décents et respectueux des lois, de loyaux serviteurs de l'Empereur se font tuer impunément. Et que font nos forces de sécurité ? Rien. J'ai vu l'assassin de mes yeux, mais les autorités disent que je n'ai pas de preuves suffisantes. Je réclame justice. Bah déjà, tu vas calmer Pourquoi ton cul. Pourquoi vous me hurlez dessus comme ça ? Bien vu, excusez-moi ouais. D'avoir haussé le ton, Excellence, mais ces meurtres ne peuvent pas demeurer impunis alors que le tueur est si facile à trouver. Il y a quelques jours, j'ai repéré un chasseur de primes qui suivait des gens, apparemment au hasard, tout en pointant sur eux un étrange appareil. Les descriptions des victimes correspondent parfaitement aux personnes que ce chasseur suivait. Il est l'auteur de ces meurtres, je le sais. Et alors ? Un assassin qui laisse une piste aussi mince derrière lui mérite toute mon admiration. Ah, mais il n'a pas échappé à toute détection, Excellence. Je l'ai vu, et je veillerai à ce que tout le monde connaisse son nom. J'ai suivi le tueur ce matin. Je l'ai vu rôder dans l'enclave mandalorienne. Quelqu'un l'a appelé par son nom, Renegy. Ce chasseur de primes doit apprendre que l'Empire ne tolère pas que des canailles comme lui tuent ses citoyens. Il doit être puni. Est-ce que je peux l'avoir comme ami ? Voilà. Et du coup, j'ai essayé d'être un peu moins pathétique. Et c'est peut-être le Coruscant de... du côté obscur. Ce serait cool. Voilà, comme ça, je vais être un peu moins pathétique. L'enclave, moi, non, attendez. L'enclave mandalorienne. Eh bien, on pourra comme ça se faire... Et il est là. Il est là, mon pote. Mon pote ? Quel sombre secret vais-je partager avec vous ? Merde ! Voilà ce que j'ai envie de te dire. Merde ! Je voulais que tu m'apprennes des trucs, moi. Je pourrais peut-être me faire... Ce serait pas une mauvaise idée. M'acheter une petite... Voilà, j'ai une nouvelle forteresse. Ce sera la forteresse... des presbytes. Pourquoi des presbytes? J'en sais rien. Mais rien de tel qu'une petite propriété. Après, je la revendrai évidemment moult pognon pour faire du blé, du bifton. Il faut que j'essaye d'acquérir de l'expérience. Autrement que par les fights. Bon, allons-y, continuons notre petit mode histoire et accessoirement, on retrouvera ce tueur, El Famoso tueur. Le jeu a l'air de dire que c'est par là. Regardez, il y a une petite icône qui est ici. Hop, allons-y. Mais pour comment ça se fait? Ah ouais, parce qu'il faut que je le fasse... Faut que je lui dise, bah non, regardez, il devrait apparaître, il est là en pile. Ah, attendez. Je ne peux pas lire cette carte, hein, je vous le dis clairement. Ouais, non. Bon, suivons aveuglément notre petite icône qui est ici. Vous voyez, le truc qui clignote, c'est la quête que je viens d'activer en fait. Voilà. La fameuse quête que je viens d'activer. Ah mais non. Ah mais non. Ah ouais, bah attendez, mais si. En fait, ça c'est le taxi, Sosa. Mais si, si complètement. Parce que je vais faire une quête. Oh, j'en ai marre. C'est pas par là. Ça, quoi, faire ça. On peut buter, il y a des points de vie à la fin. Ça donne de l'XP. J'ai niveau 17. Eh bien, il est. Ah ouais, il est niveau 17, c'est bien. Là on va passer à l'infini.
Voilà, en fait, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va farmer cette merde. Elle est niveau 17. Donc on va avoir en fait un moment très instructif. Un bref instant, ben, vous n'allez pas avoir le son pendant un très petit instant, juste le temps que je le mette en mute. Ouais, je vais même faire mute, je vais quitter Discord. Voilà. Comme ça, on sera plus emmerdé par les alertes Discord. On va pouvoir farmer ce truc là. On va passer un moment très enrichissant, hein. J'aime autant vous le dire. Voilà, on passe un moment enrichissant, assez dévastateur. Je suis intrigué de savoir ce que ça va faire. Peut-être que ça va donner en fait moult, ou alors peut-être simplement une carte de compte mémorable, parce que ce truc doit avoir 100 000 lions de points de vie. Putain! Bon, arrêtons cette merde, arrêtons, c'est de la merde. Toi, t'as combien de points de vie, toi? 100 millions. Et en fait, c'est... en fait. Voilà, j'espère que vous appréciez ce moment très enrichissant de Marie Chantal en train de taper un mannequin d'entraînement. Allez, faire ça. J'ai envie de faire ça. Et je vais faire ça aussi. Et je vais faire ça. Bon, c'était intéressant. Allons-y, barrons-nous de là. Et essayons d'aller voir ailleurs si j'y suis. Regardez, il y a en fait, là, il y a ça. Vous voyez ce petit symbole là, qui signifie en gros, faut aller par là. C'est par là qu'est la vérité. Alors allons-y. Déjà, ça c'est une aire de taxi. Mon cul. Quoi, je suis condamné à mourir, c'est ça? Bon. Alors. Bon, visiblement, j'ai pas le droit d'y aller. Ça m'est interdit. Je sais pas où il est, l'autre con. Il me suit plus. Je crois qu'il est en train de fight le mannequin à l'infini. Ah non, ça y est, il est où? Pas passer par là, c'est donc pas par là. Aïe! C'est peut-être en bas. Et après, tout droit. Ben non, parce qu'en fait, quand on va en bas,
Faut aller dans l'enclave mandalorienne. Bon bah non, bon, certainement pas. Mais alors ma vie c'est quoi? Où est l'enclave mandalorienne? Mon dieu, pourquoi c'est rouge? Pourquoi ça s'affiche en rouge comme ça? Bon, allons par là. Je crois que le jeu essaye de me dire que j'ai rien à foutre ici en fait. Je suis sûr que j'ai rien à foutre là. C'est ça que le jeu me dit. Le jeu dit casse-toi, t'as rien à faire là, va voir ailleurs si j'y suis. N'hésitez pas à mettre sur le chat que j'ai rien à faire ici. Ah, j'ai toujours mal aux yeux. Ah, et bientôt. C'est par là. On accède dans une zone de repos. Ça n'est pas par là, allons-en. D'accord. Ah ouais, attendez, hop. Je suis content. Je quitte la zone de repos. J'ai fait un tour complet. Et du coup, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul la crémière parce que je suis censé passer outre en fait. Bah si, pourtant ça a l'air de dire que c'est par là. Mais pourtant quand on va par là, il dit casse-toi. C'est que c'est en dessous en fait, c'est le niveau d'en dessous. Allons-nous-en. Casse-toi, tu pues. Bah, d'accord, mais bon, certes, j'en suis amplement conscient, mais c'est pas pour autant. Oh là là. Alors moi, si ça continue, je vais reprendre le mode histoire. Je voulais pexer un petit peu pour dire de faire en sorte que la mise soit un peu moins pathétique, mais bon, à ce point-là, j'ai mal aux yeux. Très mauvais pressentiment. Ah bref, faut passer outre. Et là, on va rejoindre nos droïdes à la con. Bon, écoutez, je vais faire un truc. Un truc en théorie que on n'est pas censé faire, mais on va le faire. Regardez. Là, il y a l'air d'y avoir un chemin. Et apparemment, c'était pas le bon chemin. Ça n'est donc pas par là qu'il faut aller. Qu'il faut aller. Non, c'est pas par là. Alors, retournons voir Taximan. Destination. Bon, c'est par là. Eh, mais il y a l'enclave mandalorienne. Eh, mais on aurait dû faire le vert. Le vert, c'est l'enclave mandalorienne, c'est peut-être ça. Ah, Seigneur. Seigneur. Ah bon? Ah bon? Génial. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, fallait juste découvrir. Genre en fait c'était. Fallait découvrir le lieu et s'en aller vite fait en fait. Si c'est une merde comme ça, je me détruis. Je me suicide. Regardez. C'est juste à côté. En fait, je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, faudrait que j'écoute les dialogues plutôt que de faire des commentaires par au-dessus. Un jour, j'écouterai les dialogues. Regardez. Ah non, ça c'est une zone litigieuse. Non, ah non, ah bah si. Dans 6, lui il va dire c'est une zone litigieuse. J'ai une navette à prendre.
pourriez me laisser passer? Mon cul, non. On fuit le lieu de ses crimes, Renegin? Ah, si, c'est ça. C'est bien ma veine. 10 secondes plus tard, ai-je quitté cette fichue planète. Vous avez écouté Raitzin? Génial. Ouais. Écoutez, j'ai assassiné personne. J'ai seulement été engagé pour marquer des citoyens au hasard, c'est tout. Ah, et merde. Vous n'avez pas demandé pourquoi on vous faisait marquer des gens au hasard? J'ai reçu des instructions, sans explication. Ça paraissait inoffensif sur le coup. Je pensais pas que mes clients allaient tuer ces gens. J'ai été engagé par un groupe de Sith pour leur organiser des jeux. J'ai compris ce que ça signifiait quand les cadavres ont commencé à s'empiler. Je suis allé les voir, mais ils m'ont ri au nez. D'après eux, les Sith sont autorisés à chasser les inférieurs. C'est un sport pour eux. Il a raison. Moi-même, je pratique ce sport couramment. Mes confrères Sith semblent avoir du mal à occuper leur temps. Il y a un tas d'autres moyens de s'occuper. Mais bon, je ne suis pas un Sith. Je suis mouillé jusqu'au cou. Et il y a bien trop de monde qui me surveille maintenant. Je peux même plus partir. J'ai besoin d'aide. Stream sponsorisé par Panthers. Et je suis prêt à payer pour l'obtenir. Puisqu'il ça vous intéresse? Jusqu'au cou. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux juste me débarrasser de ce problème. Et je vois que 2 possibilités pour y parvenir. Soit je me débarrasse du gêneur qui n'arrête pas de m'accuser, soit je mets un terme au petit jeu malsain des Sith. Écoute, je crois que vos clients ont besoin de se trouver un nouveau passe-temps. Ça me va. J'ai un plan qui devrait bien les coincer. Et personne n'aura à s'inquiéter des retombées. Prenez ce marqueur de chasseur. Utilisez-le sur des acolytes Sith à travers toute la cité. Ils deviendront les prochaines cibles de mes clients. Vous en faites pas, je m'arrangerai pour qu'ils survivent. Revenez me voir lorsque vous aurez terminé. Et c'est je sympa. Paierai. C'est orange en fait, donc il y a du dropping, mais pas trop. Faut encore que je bouge quelques petits paramètres à la con. Bon, on va retourner continuer notre mode histoire. Ah, ça drop, hein. Ça drop de ouf. J'ai un taux de perte qui est quand même assez énorme. Ça, c'est à cause de la carte Nvidia. En fait, j'arrive pas à reparamétrer ma carte Nvidia correctement. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour ça. Allez, on continue. Donc, ça, c'est notre mode histoire qui continue par là. Allons-y. Pullen Eyes, Lake is a far Pullen. Faut qu'on monte. Là c'est là, mais ma vie c'est de la merde, c'est par là. Ça a l'air d'être par là. Ça a l'air de dire que c'est par là. On va rejoindre notre maître. On va rejoindre notre maître en évitant d'aller dans les cul-de-sac. C'est là. Voulez-vous une leçon? Oui. Oh, tu fais chier, merde, non? Bah non. C'est là. Mode histoire. Bonjour. Seigneur Zash. Vous connaissez un grand seigneur noir, assez laid et à moitié mécanique? Il m'a confié un message pour vous. Maudit Scotia. Qu'est-ce qu'il essaie de faire en s'adressant ainsi à mon apprenti dans mon dos? Il cherche à t'intimider, c'est certain. Vile monstruosité. Bien plus machine qu'humain et dangereusement puissant. Depuis mon arrivée sur Dromunkas en tant qu'apprenti, il a tout fait pour me barrer la route. Nous ne pourrons pas nous lancer à la recherche de l'ancien pouvoir de Tulak Horde tant que Scotia sera sur nos talons. C'est pas faux. Il y a forcément quelque chose à faire. Oui. Oui. Nous pouvons faire quelque chose, ou plutôt, tu peux faire quelque chose. Tu vas te charger de tuer Scotia pour moi. Ah, ça me va. Mais avant, on va quand même pixer un peu, parce que je me sens vraiment... Je ne pourrais pas le tuer, il est bien trop puissant. Exactement. C'est là tout le génie de mon plan. Je ne peux pas me permettre d'être lié à l'assassinat de Scotia. Les jeux de pouvoir un peu trop cavaliers rendent nerveux le Conseil Noir. Mais personne ne voudra croire qu'une simple apprentie soit parvenue à vaincre Scotia.
C'est impossible. Voilà, donc il faut que je pexe alors. C'est pour ça que ça fonctionnera. D'accord, bah écoute... Que suis-je censé faire? J'ai commencé à assembler le puzzle de la destruction de Dark Scotia. Mais il me reste quelques éléments à mettre en place. Au cœur de la jungle, un groupe d'esclaves s'est récemment rebellé. Ils travaillaient sur une statue colossale dont l'achèvement est maintenant compromis. Je pense que Scotia a dissimulé quelque chose d'une grande importance à proximité de cette statue. Obtient les plans archéologiques de cette zone de l'un des esclaves. Donc faut qu'on trouve puis une statue. Contacte-moi par holocommunicateur. Mais des baffes. De l'XP, ouais, de l'XP, des points du côté obscur. Et évidemment, sens de l'orientation zéro. Sinon, c'est moins drôle. Dis-moi, apprends-moi des trucs. Le côté obscur se développe en vous. Oui, mais je veux apprendre des trucs. Je veux pas développer mon côté obscur, je veux le développer. Bon, allons-y. Alors, il faut qu'on découvre moult secrets dans les dans des statues à la con, machin, voilà. C'est pas par là? Si? Non, c'est pas possible. Ah si, c'est par là. On sort du temple, en fait. Bah, sortons du temple. Allons-y. Et on va où? On va par là. On va aller... attendez, je vais... Je pense que, de base, quand je fast travel... Voilà, de base, il me le donne. Et j'ai quand même à m'en refaire quelques autres. Regardez. Hop. Et là, je peux y aller. Et ça, pareil, c'est cool. Départ. Le jeu dit d'aller par là. Bon séjour. Non. J'ai faim. Ah, ce soir, je vais me faire une petite salade de thon. Comme je l'ai déjà dit, je surveille en fait. Surveille ma ligne. Je vais faire extrêmement attention à ma à mon alimentation. Donc j'ai arrêté spécifiquement la bière pour pas pour retrouver on va dire un poids normal on va dire. Retrouver un poids normal et surtout retrouver un, on va dire, un rythme de vie correct. Donc je suis obligé de me de manger très léger le soir, pas prendre trop d'alcool, alors que je suis un amateur de whisky, de vodka. Je sais que je suis un amateur de whisky et de vodka et je ne pars jamais sans ma flasque. En voyage quelque part. C'est important. Hein. J'ai ma flasque spéciale que je recharge évidemment. Donc les gens qui sont avec moi évidemment ne savent pas ce qu'il y a dans cette putain de flasque. Ils ne sont pas au courant que c'est un mix vodka et absinthe. Ce qui est assez décontenant ça en fait. Mais pas mauvais en soi. Ça reste très bon en fait. Après on passe une très bonne nuit. Voire même une excellente nuit d'ailleurs. Vous réveillez le lendemain, il doit être quoi, il est 2h du mat. Moi je suis réveillé, il était 10h. J'avais passé une très bonne nuit avec un super remède à base d'absinthe, de vodka et de miel. Sans oublier le jus de citron, évidemment.
important de mettre du jus de citron, voire même mettre des citrons directement. Pas du jus de citron, mais des citrons en eux-mêmes en fait. Faut pas mettre du... Le jus de citron seul ne suffit pas, faut vraiment mettre les citrons en eux-mêmes parce que leur pulpe... c'est leur pulpe en fait qui va tout faire en vrai. Ah là là, eux c'est pas des câlins. Ah non si en fait, c'est bon. C'est l'esclave rebelle, donc on peut y aller, ils sont gratos. Regardez, les tuer, voilà, on a déjà un mort. Tenez, hop. Ça twerk. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Par là. Putain, il se passe quoi si on tombe, on est dans la merde. Hein. Hop. Multi-target. Celui-là, c'est un multi-target. C'est important de l'avoir. Ça permet en fait de rendre, c'est-à-dire la suite des combats un peu moins pathétique, puisqu'en fait, ils vont très poliment tous décéder en 2-2. Donc c'est important d'avoir du multi-target. Alors comment ça, regardez, hop. On reste à bonne distance. Voilà. Et le fait de rester à bonne distance, c'est une sorcière Sith, donc comme toutes les sorcières, ben faut rester à distance de tout le monde. Là, c'est une bonne distance. Allez hop. Voilà. C'est réglé. Vite hein. Vite. Bon là, pas de la distance, on peut y aller. Il est isolé, on en profite. Lui, il faut twerker. J'adore les sites parce qu'ils... Ils ont la capacité de twerker. Après, ce qui est assez dommage, c'est que le jeu ne gère pas les collisions. Bon, je sais pas si on peut appeler ça dommage ou pas, mais... vraiment dire que c'est dommage ou pas, mais le jeu ne gère pas les collisions. Alors on va prendre de la distance parce qu'il est mal commencé. Voilà. 4, là. Voilà. En fait, cette technique là, elle permet de faire un genre d'effet domino. Donc, comme ils sont plusieurs, on fait ça et on a un léger effet domino, donc ça se répercute sur sur un autre, etc., etc. Bon, apparemment c'est pas par là hein. Même si le jeu allait de dire que c'est plutôt par là. Bon, faut peut-être le contourner en fait. Attendez, on va essayer de contourner. Oh, j'ai mal aux yeux, je vais m'arrêter. 19h30, je m'arrête, quoi qu'il arrive. Demain, je vais avoir un ophtalmo. Évidemment, il va constater tous les problèmes que j'ai accumulés en 15 ans. 15 ans que j'ai pas été voir un ophtalmo. Record battu. Voilà. Vous voyez, c'est radical, hein.
ça est percuté. 3P et on n'en parle plus. On peut pas être par là. Si, c'est possible. Ah, en tout cas, il y a des joueurs par là, donc si c'est possible que ce soit par là. Allons-y. Ah, une nouvelle zone à découvrir, évidemment. C'est important. Je récupère le loot. Voilà. Donc, évidemment, je vais activer ce truc-là. Histoire qu'on puisse l'avoir en fast travel sur la map. Je vais chercher ce type-là, qui est à l'autre bout, je ne sais pas pourquoi. Non! Bon, allez, si, ça nous fera 2 XP. Je n'ai absolument rien compris. Je trépigne d'impatience. Allez, Marie Chantal. Affaire conclue. Et en fait, je voulais parler au marchand, vendre mes merdes, mais. C'est pas grave, on va récupérer ça. Le marchand. Avez-vous besoin de soins médicaux? Je vends ma merde et je te vends ça. Et ça aussi, et ça, et ça. Voilà. T'es content? Beaucoup d'argent. Allons-y. Ah oui, non, mais c'est eux par contre. Donc eux, faut faire ça. Et après ça. Putain, rien fait du tout. Je recommence. Regardez, Insta, dès que je suis sur eux, je suis automatiquement en train de décéder. J'ai quasiment plus de vie là. Et là, voilà, ça va être. C'est de la merde, hein! Ils sont 10 niveaux au-dessus du mien. Je suis trop weak. Je suis beaucoup trop weak pour eux, en fait. Faut que je pexe un peu plus. Sur mon pex. Comme un réflexe. L'air d'être là. T'as l'air par là. Profiter que Bidule. J'en profiter que ça fight. Ah mais c'est des mandaloriens. Je vais mourir. Je vais décéder. Et l'autre il est pas là. L'autre con il est pas là. Ah bah je vais mourir. Ça va être le décès. Le décès instantané. L'autre con il est pas là. Putain, il est parti où l'autre abruti? Il devait me suivre. Il me follow mais pas vraiment quoi. Il me suit mais pas. Bon allons-y.
Bon, alors on n'attaque pas les mandos, hein. Coller une mandale au mandalorien. Ça, ça pourrait être marrant, chaud. J'ai collé une mandale au mandalorien. Pas possible. C'est terrible. Attendez, j'ai changé un peu. Voilà. Voilà, mais là, c'est plus simple. Ça, c'est plus simple pour moi. J'ai un mal aux yeux, c'est horrible. Je crois que j'ai mourir. J'ai mourir des yeux. Ça a l'air d'être là. On va pas être les petites bêtes en attendant, hein, parce que là c'est... Ils sont, même si je suis deux niveaux au-dessus des mandos, ils sont trop puissants pour Bibi. Bah, c'est bon, lui. C'est bien réparé. Ouais. Même si pas du tout en vrai. Là, il me manque une technique. Alors, c'est laquelle qui me manque? Une technique de sorcier? Quelque chose, hein. Il me manque une putain de technique ici, mais je sais plus laquelle c'était. Ah, le sprint. Ça va être une technique de sorcier, je pense. Hein. Non, bah alors c'est dans les inquisiteurs. Le cyclone, je l'ai déjà. Foudroiement, il est là. Je l'ai aussi. Je l'ai. Sprint, on s'en fout. Surcharge. Mais je l'ai déjà, surcharge. Je vais mettre ça. Ça ne me servira à rien, évidemment. Je vais le mettre quand même. Ah mais il fonce sur moi. Il va annuler mon truc. Oh merde. Il y a des gens en plus. Il est en double. Bon, c'est pas ça. Vraisemblablement ça n'était pas ça. Voilà un niveau 14. Youhou! Mais bon, ça n'empêchera qu'on sera tout de même relativement pathétique. Je pense qu'il doit y avoir un autre chemin. Hein. Je pense que là, là, si on le fait... Allez, pour le fun. Youhou! Oh putain, vous imaginez si j'y arrive? Non, je vais pas y arriver.
Non, bah non. Ça aurait été cool. Ça aurait été fou. Elle descend de la montagne à cheval. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. On peut pas zoomer. Je suis où? Attendez, map. Je suis là, il faut aller. Là, c'est une zone inexplorée. Faut buter des Mandaloriens. Oh bah non, on va te faire foutre. Allez, on va continuer le mode histoire. C'est con que j'ai pas mon speeder. J'aurais bien aimé avoir mon speeder. Hé, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ma cible, ma truc a disparu. Tu vas mourir, oui? Oui, voilà, tu es mort. Allez, on n'en parle plus. Ma putain de cible a disparu. Je le crois pas. Je crois pas. Voilà, c'est bon. Je le crois vraiment pas. Ah, elle est revenue. Je la vois. Je l'ai vue. Il faut remonter cette putain de colline. Fallait pas descendre. Fallait pas descendre, fallait aller par là. Bah si. Bah de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller par là. Bah ça peut pas être par là. J'en vienne par là et c'est de la merde. Ça, je l'ai fait. Après, je suis allé à droite. Grave erreur. Bah, continuons notre chemin. Pexons un peu. Tenez, je vais pexer là. Meurs, 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 voilà. Continuons le chemin. Le sentier va forcément nous mener quelque part. À un endroit insoupçonné où tout va miraculeusement. Utilisons le sort. Voilà. Personnage qui est nettement moins pathétique. Quand même. Elle est niveau 14. Mais face au Mando, de toute façon, elle fera pas l'affaire. C'est clair. C'est nul. C'est une vie absolue. Face au Mandalorian, ça te veut la merde. Faut retrouver une statue. J'ai entendu le mot statue, retrouvons. Une statue. Ow! 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 Ben attendez. Con quoi? Ouais. Attends, je te fais ça aussi. Et ça également. C'est bon. Voilà. Je découvre un nouvel endroit. C'est fou. C'est pas par là. Si, c'est par là. Mais oui, c'est carrément pas par là. Serait-ce un miracle? Est-ce que miraculeusement je vais découvrir l'endroit et puis voilà. Regardez. Regardez. Waouh, un coffre.
pas de signe, enfin pas de dialogue. Ça va faire mal à la tête. Voilà. Tout ça pour ça. Mais non, c'est pas possible que ce soit par là alors du coup, parce que du coup je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul complètement hein. Mais le jeu a l'air de dire que c'est par là. Mais en même temps, non. Il y a moyen de gruger ? Est-ce qu'il y a moyen de gruger ? Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ? Genre un double saut. Saute ? Non. Je l'ai dans le cul. C'est pas par là. C'est encore gouré, merde. Sens de l'orientation 0 sur 20. C'est par là alors. Y'a pas moyen. Ah ! Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Oui ! J'ai très mal, mais oui ! C'est là qu'est la vérité. Ça va être une nouvelle zone. D'accord. Bon, les mandous, on s'en occupera. On les provoque pas. On va se prendre une mandale par les Mandaloriens. Il est con. Bah oui, évidemment qu'il est con. Mais ça est... La connerie, c'est un art. Hein. Faire des conneries, c'est un art. C'est un art qui s'assure. Vous arrêtez vous. Vous êtes nombreux, et il y a l'autre là qui en branle pas une. T'as l'autre con qui en branle pas. Qui en branle pas une. Putain, mais on m'a mis un branleur comme compagnon. J'ai un branleur comme partenaire. Tu vas bouger ton yonf, oui. Va faire quelque chose de ta vie. Non mais quoi. Hey, merde. Mais tu vas branler quelque chose de ta vie, oui merde, à la fin. Va les fight. Vas-y, va fight. Fight les. Putain. Allez. Allez. Mais tue-le, merde. Il en branle pas une, ce con. Pourquoi j'ai un compagnon aussi inutile qui soigne pas, qui heal pas, qui bouge pas son cul? Qui m'a foutu un mongol comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette IA de dégénéré mental? Bon, ne nous énervons pas. Éloignons-nous de cette ambiance merdique à souhait. Voilà. Et là, il te fait plaise, là. Ah, c'est bon, t'es ma copine. Ouais, mais mon cul, je suis pas ta copine.
tu m'oublies. On y est presque. Faut passer cette colline. Oh, en affronter un, c'est les affronter tous. Vas-y. Non. Non, encore un coup. Non, non, bah non. Ah ouais, bah voilà. Barrons-nous. Barrons-nous et faisons-nous plaisir. Regarde-moi ça. Il bouge pas. Il bouge pas. Il veut pas bouger son truc. À mort. Mais fight. Fight-les, merde. Fight-les. T'inquiète. Je méditais un peu entre guillemets sur le sens et la vacuité de la vie. Ça me fait plaisir. Allez, on se... Et dire que j'ai dit à 19h30 on arrête. Et je suis encore là. Vous trouvez que ça normal ou? Ah non non, il l'a déclenché alors qu'on n'a pas le niveau pour les battre. Mais va chier, oui. T'es en train de te battre, moi. J'avais 10 niveaux dessus du tien. Tiens. Pas mal, hein. Tu souffres intérieurement. Moi aussi, ou quoi. Tiens, je vais faire ça. 1 sur 8. Voilà, quand on reste à bonne distance, il y a moyen de moyenner. Après, hop, 2 sur 8. Voilà, il y a moyen de moyenner quand on reste dans à bonne distance. Genre bah là, par exemple, bah, c'est pas bon. Là, on est à assez bonne distance. Là, je vais ouvrir des feux croisés, ça va pas être bon. La preuve que je vais prendre des feux croisés en fait. En fait qu'elle sort, tu sais, quand on plonge, quand on refait surface, ça fait... Voilà. Bon allez, on va continuer un petit peu, on va reprendre, on va essayer de suivre la trace. Rose fluo. Allez, quoi, merde. Ah, 30-40 secondes. À 45 on arrête. Je sais toujours on arrête à telle ou telle heure, mais en fait on n'arrête jamais, on continue.
faudrait vraiment que je me trouve un compte PayPal pour paramétrer mon Tipeee. Mais j'ai pas envie. Allez, on va éviter très soigneusement ces gens. Mais le jeu dit que c'est par là, mais pas du tout. En fait, je comprends absolument pas par où faut aller. Je pige rien de ma vie. Ouais. Un peu, on va battre un peu ces trucs-là. Ah, merde. Avec l'eau de poubelle ancestrale. Raclure de fond de capote. C'est possible ça? Ça pourrait être quoi une raclure du fond d'une capote? Raclure de poubelle. Piece of jerk. Allez! Voilà! Ça a l'air de se fight. Ça a l'air de se fight et ça a pas l'air d'être par là! Là, il y a des mandos. L'art d'éviter. L'art de l'esquive. En trois leçons. Oh là! Oh là! Oh là! Oh, oh, il est tout seul. Oh, il y a moyen. Même si Jackie n'est plus là, mais... Ah, si Jackie est là. S'il est tout seul, il y a moyen de moyenner. S'il amène des potes, on est dans la merde. La preuve. Vous voyez? Il y a moyen. Quand ils sont tout seuls, ça va, il y a moyen. S'ils sont 250, ça va être la merde. S'ils sont deux, en fait, c'est la merde. Parce qu'on va, en fait, on va croiser, on va avoir les feux nourris, un double truc. Voilà. Le jeu a l'air de dire... Ah oui, attends. Qu'est-ce qui sort? Dégage! Prendre la distance! Mais non, mais prendre la distance, moi! Voilà. Pas mal, hein? Tu souffres? Ouais, moi aussi. Ouh, il est tout seul! Il compte sa solitude! Ah, ma merde, ils sont deux, non? Ah là là, on va laisser deux. Ah ouais, vous voyez, ma vie elle descend genre en 2-2 quoi. Je vais faire quelques sorts pour essayer de récupérer un peu, mais. Mais ça fond comme neige au soleil en fait. J'ai l'autre qui en prend pas une en fait. L'autre con qui en branle pas une. J'ai l'autre con qui en branle pas une et qu'il est heal. Ouais, bah. Bah ouais, bah ouais. Bon. On va essayer de se planquer, de se mettre à l'abri, essayer d'éviter un petit peu toutes ces montagnes. Putain, une minute. J'ai pas d'écran de fin. Mais je crains fort qu'il va falloir qu'on se quitte sur ce fail monumental de ma part. Bon, j'ai un petit peu revu légèrement les réglages. Hein. Je vois d'où vient le problème du drop de frame. J'ai essayé de régler ça, évidemment. Demain, on fait la même chose, mais avec la schtroumpfette. Je vais essayer.
prier pour pas avoir trop mal aux yeux. Demain, je vais voir l'ophtalmo et vous savez que l'ophtalmo, on fait le fond de l'œil. Et le fond de l'œil, évidemment, vous n'allez pas pouvoir regarder le moindre écran. Donc, il est fort probable que je stream en lunettes de soleil. En tout cas, n'oubliez pas de follow, n'oubliez pas de sub. Vous pouvez donner, c'est toujours ça de prix. Même un euro, hein, c'est grandiose. Allez, à plus sous le bus, si online, sur le web et ailleurs. À plus. Faut vraiment que je fasse un écran de fin pour faire beaucoup plus.